International Criminal Court is now in session. Audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le juge président, bonjour à tous, bonjour à vous, monsieur De Toletto, à Abidjan. Bonjour, monsieur le président. You feel okay? You're ready? Le président, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes prêt à poursuivre l'interrogatoire? Je me sens bien. Thank you. Très bien, merci. Je redonne la parole à Madame le procureur. Madame Pack, vous avez la parole. Madame Pack, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, Madame. Now I'm going to start off today with the... Aujourd'hui, je souhaiterais parler des événements du 3 mars 2011, c'est-à-dire la marche des femmes. Hier, vous nous avez dit, et je vous rappelle vos propos, vous avez dit que vous n'étiez pas au courant de cette marche et que celle-ci n'avait pas fait l'objet d'une discussion lors de la réunion des généraux la veille. Ceci figure dans la transcription d'hier, page 30, lignes 21 à 26. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a été dit au sujet de la marche des femmes, après que celle-ci a eu lieu. Merci, madame. Lors de nos rencontres, je vous ai dit que je n'étais pas au courant d'une quelconque marche de femmes à Bobo le 3 mars 2011. Parce que généralement, quand il y a une marche, une manifestation ou un événement d'importance capitale, le ministère de l'Intérieur reçoit un document de la part des autorités qui veulent organiser cet événement. Copie est envoyée également au chef d'état-major des armées. Et nous tenons une réunion pour encadrer cet événement. Donc, le 3 mars, bien avant, il n'avait jamais été question d'une quelconque marche que nous devons sécuriser. Donc, je n'étais pas au courant. On n'a pas eu de réunion là-dessus. Donc, personne n'était au courant d'une quelconque marche ce jour-là à Bobo. When were you informed that... Quand avez-vous été informé du fait qu'il y a eu un incident? C'était le 3 mars même, aux environs de 10h-11h. Le général Mangou m'a appelé pour me dire qu'il y aurait eu des informations sur une marche de femmes à Bobo. Est-ce que je suis au courant? Je lui ai répondu à la négative. Parce que nous n'avons jamais parlé d'une marche qui allait se dérouler le 3 mars à Bobo. Le matin, je n'avais pas eu de consigne de sa part pour encadrer une quelconque marche à Bobo le 3 mars. Il faut dire que le 3 mars, aucun de nos éléments
de se trouver sur son poste de contrôle. Il était impossible à nos éléments de rester sur leur poste de contrôle. Ils étaient tous regroupés au camp commando d'Abobo. Alors, j'ai demandé au lieutenant-colonel Basil Nyamke, qui était sur le terrain, s'il était au courant d'une quelconque marche ou s'il serait parti sécuriser une quelconque marche à Abobo. Il m'a dit non. Mais ce jour-là, il devrait faire le ravitaillement et qu'arriver au niveau de la gendarmerie d'Abobo. Il se situe à un carrefour qu'on appelle communément Ganywaga. Il a été pris à partie par des éléments inconnus. Il a riposté. Mais il s'est retourné au camp commando. Voilà ce qu'il m'a dit. J'ai fait ce compte rendu au chef d'état-major. Now, when you spoke to Mongu, lorsque vous avez parlé à Mongu, qu'est-ce qu'il vous a dit au téléphone? Le chef d'état-major m'a dit qu'il aurait eu, lui, son renseignement de la part du général Palacé et du ministre de la Défense, qu'il allait vérifier l'information. What information did he tell you he had received? Quelles informations vous a-t-il dit avoir reçues? Les relatives à la marche dont nous parlons. Est-ce que quand il y a une situation, il s'informe sur le terrain? Mais à Abobo, ce jour-là, nos éléments n'étaient pas sortis du camp commando d'Abobo. Ils ne pouvaient même pas le faire. Specifically, I asked you what did. Je vous ai demandé précisément ce que vous a dit le général Mongu au téléphone lorsqu'il vous a informé de ce qu'il y avait eu un incident. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit qu'il aurait appris par le général Palacé et le ministre de la Défense qu'une marche à Abobo a été réprimandée par nos hommes. Est-ce que c'est vrai? C'est ainsi que moi je me suis référé au colonel Basil qui était sur le terrain. Did he say how the march had been? Est-ce qu'il vous a dit comment on avait réprimé les marcheurs, le président Maître Altine? Monsieur le Président, c'est à propos de ce que vient de dire le témoin. Il a cité à plusieurs reprises, à deux reprises, je crois, le général Palacé, et c'est justement transcrit dans la version anglaise des transcrits, mais pas dans la version française. Et évidemment, c'est un point très important. Donc je voulais le dire pour les besoins de la transcription et pour que les transcripteurs puissent aussi porter le nom du général Palacé sur les transcrits. Well, it's, le juge président. Je trouve étrange que la transcription anglaise soit plus fidèle que la transcription française, en l'occurrence. Je crois que les stéréotypistes ont reçu l'information et la consigne. Veuillez poursuivre, Madame Pack. Madame Pack, merci. Ma question était la suivante. Est-ce que Mongu, lorsqu'il vous a appelé, est-ce qu'il vous a dit comment la marche avait été réprimée? Non. Le juge président interrompant, juste une question avant que vous le poursuiviez. L'information n'était pas que la marche avait eu lieu, mais que la marche avait été réprimée, c'est cela? Oui, la marche a été réprimée. Okay, le président, bien.
Est-ce qu'il vous a demandé, est-ce qu'il vous a dit par qui la marche avait été réprimée? Est-ce qu'il vous a indiqué cela? Il m'a dit que l'information qu'il a eue, c'est que cette marche a été réprimandée par les éléments des forces de défense et sécurité. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que nous avons envoyé des éléments à une quelconque marche? Et je lui ai dit non, et je ne suis pas au courant d'une marche. Parce qu'on n'en avait pas parlé avant. Et personne ne m'a dit qu'il allait encadrer une quelconque marche ce jour-là. OK, thank you. Le président, très bien, merci. Madame Pack, je vous remercie, monsieur le président. Monsieur le témoin, vous nous avez parlé d'une conversation que vous avez eue avec Niamke. Niamke. Dans le cadre de cette affaire, il est indiqué au dossier de cette affaire que le 3 mars, Twali Bai Williams était le commandant de la zone opérationnelle à Bobo, et non pas Niamke. Est-ce que je peux terminer ma question, s'il vous plaît? Je voudrais terminer ma question d'abord. Le président, Maître Bougnon, s'est levé. Il s'est levé, il n'a pas pris la parole, il n'a pas dit quoi que ce soit. Veuillez poursuivre. Non, allez-y, posez votre question. Madame Pack, donc pouvez-vous nous dire ce qu'il en est? Lorsque vous dites avoir parlé à Niamke le 3 mars, c'est le nom du lieutenant-colonel Niamke qui était en tête. Il était commandant en ce moment. C'est ce qui est en tête. Comme je vous ai dit depuis hier, que la prise de service au niveau d'Abobo, c'était un tour qu'on établissait. Donc les éléments se relevaient tour à tour. Et si vous vous rappelez bien, j'avais hésité sur le nom de Niamke et Twali. Mais c'est Niamke qui est resté en tête. C'est avec Niamke du moins que j'ai conversé. What is the question? Le président, mais quelle est la question? Quelle est votre question? S'il vous plaît. Puis-je avoir la parole, monsieur le président? Bien, OK. Le président, oui, allez-y. La contradictrice a cité, elle dit qu'on a un élément du dossier qui atteste de ce que Monsieur Twali Williams serait celui qui était au camp commandant d'Abobo le 3 mars. Mais sans citer aucune référence, à partir de quel élément du dossier elle se fonde pour dire que c'est Monsieur Twali Williams qui aurait été à Abobo le 3 mars. Aucun. Et je me lève et on passe outre ça sans préciser. Bien sûr, le témoin, lui, il dit qu'à cette date-là, lui, il se rappelle que c'est telle personne. Yeah, that's it, no? Le président, il n'est pas nécessaire de développer cela davantage. Madame Pack, je peux vous donner la référence. Le président, oui, allez-y. Madame Pack, T171, donc c'est une transcription à l'évidence, version anglaise. Version éditée, page 67, ligne 12 à 25. Version française porte la référence T171, page 70, ligne 25 à la ligne 20, donc ligne 25 à la page 71, ligne 14. Et je n'en dirai pas plus. Tout cela figure déjà au dossier. Est-ce que vous avez donc... Je voudrais donc vous interroger sur le commandant Twali Williams, est-ce que vous lui avez parlé le 3 mars? Did you speak to... Est-ce que vous avez entendu ma question?
Vous disiez? Did you speak to the operational? Est-ce que vous avez parlé au commandant de la zone opérationnelle? Est-ce que vous avez parlé au commandant Twalley Pye Williams le 3 mars 2011? Je ne m'en souviens pas. Je vous ai dit que c'est avec Basile que j'ai parlé. Mais maintenant, si vous avez des documents qui prouvent, parce que j'hésite entre les deux noms, qui prouvent que Twalley, et c'est Twalley qui était là-bas, mais j'ai parlé avec Twalley. Mais dans ma tête, c'est avec Basile que j'ai parlé. Parce que c'est Basile qui devait faire, qui devait partir ce jour-là. Basile devait être relevé. Et à 11 heures, il n'était pas encore relevé. Parce qu'on avait des difficultés. Il faut dire que la veille, nous avons eu un chat qui a été brûlé au niveau de Samanké. Quand nos éléments ont tenté d'aller faire le ravitaillement, ils ont mis des bonbons de gaz au niveau de Samanké et le chat a été brûlé. On a eu des blessés. Mais ils ont pu s'en sortir quand même. Donc on avait des difficultés ce jour-là. Nos éléments avaient peur de partir de là. Ce qui a retardé la relève. Mais je ne m'en souviens pas si vraiment cette toile était en place, mais moi je sais que dans ma tête, c'est avec Basile que j'ai parlé le matin. When did you first find out that women had been... Quand est-ce que vous avez appris pour la première fois que des femmes avaient été blessées par balle? Le 3, vous avez dit entre 10h et 11h. Je vous ai dit que c'est le général qui m'a appelé pour m'informer de cela. Il m'a interrogé si ça c'est vrai. Est-ce que j'avais envoyé des éléments encadrer une quelconque marche? Et je lui ai dit non. Et moi-même, je n'étais pas au courant d'une marche quelconque à Abobo. C'est le 3 même que j'ai été au courant. Now you told us you spoke to... Vous nous avez indiqué que vous aviez parlé à Basile, Basile Niamke, après avoir appris que des femmes avaient été blessées par balle. Le président. Non, plutôt que de lui dire que des femmes avaient été blessées par balle, qu'est-ce que vous avez appris? Quelle était la nature de l'incident? Qu'est-ce que vous avez appris au juste? Parce que jusqu'à présent, vous avez parlé d'un incident dont vous avez été informé, mais concrètement, qu'est-ce que vous avez appris au sujet de cet incident? Quand le général m'a appelé, il m'a demandé qu'il y avait une marche de femmes qui serait réprimandée par nos éléments à Bobo, qu'il y aurait eu des morts. Et ensuite, à la réunion de l'après-midi, le chef CPCO a fait le point. Il a fait le point de la situation. Et le soir, à la télévision, nous tous, nous avons vu des femmes qui étaient tombées, qui gisaient sur le sol. On entendait des coups de feu. Il y avait la débandade partout. C'est ce que j'ai vu à la télévision le soir. Sinon, quand j'ai eu l'information de la part du général, après nos échanges, nous sommes retrouvés à l'état-major, à la réunion quotidienne, et cela a été évoqué par le CPCO, parce que le CPCO fait le point des événements de la journée. Donc c'est au cours de cette réunion, également, que le point nous a été fait, comme quoi la marche a été réprimandée par des militaires. Et qu'il y aurait eu des morts. Il y aurait eu 7 morts, je crois. 6 ou 7 morts. Et c'était des femmes. La télévision également, aux environs de 20 heures, nous avons vu les images à la télévision. Voilà ce que je sais de la marche du 3 mars 2011. Thank you, Madame Pack. Le président, merci, Madame Pack. Madame Pack, je voudrais que nous parlions de cela
De manière plus détaillée, vous nous avez dit que vous avez été informé par le chef du CPCO lors de la réunion de l'après-midi. C'est lui qui vous a informé de la situation. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, mais je viens de répondre. Je vous ai dit qu'il nous a dit qu'une marche de femmes à Bobo a été, serait réprimandée par nos éléments. Qu'il y aurait eu cette mort, cette femme de tuer. C'est l'information qu'il nous a donnée. Bien, c'est ce que le CPCO vous a dit lors de la réunion. Et voilà ce qui a été dit, mais quelle a été la réponse? La réponse de la part de qui? Does Mr. Mongu say anything? Est-ce que M. Mongu a dit quoi que ce soit lorsque le CPCO l'a informé que environ 7 femmes avaient été abattues par vos éléments? Qu'est-ce que M. Mongu a dit en réaction à cela? Il y a un événement de ce genre, surtout quand il y a mort d'homme. Dans un premier temps, il a déploré qu'il y ait mort d'homme. Mais nous cherchons à savoir, vous voulez chercher à savoir qui était sur le terrain ce jour-là. Donc il a demandé à ce que des enquêtes soient menées. Did the CPCO or anyone else at... Est-ce que le CPCO ou quelqu'un d'autre qui était présent lors de la réunion a confirmé que c'était effectivement des éléments des FDS qui avaient réprimé les manifestantes? Non, puisque jusque-là, il n'a jamais été question que ce soit des éléments des FDS qui soient partis sur le lieu de marche. Donc personne n'a témoigné de cela. Quand il y a un événement sur le terrain, on nous les rapporte. Nous cherchons à savoir, nous cherchons à les vérifier et après on situe les responsabilités. Mais jusque-là, personne n'était sur le terrain, en dehors de ceux qui étaient à Bobo. Ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas sur le terrain, qu'ils ne sont pas partis là-bas. Et je l'affirme, moi je peux l'affirmer, ils étaient tous au camp commando d'Abobo. Et que personne ne pouvait sortir de là. Et 3 mars 2011, aucun élément, que ça soit isolé ou en groupe, ne pouvait se trouver en dehors du camp commando. On ne pouvait plus faire les patrouilles. You tell us that, General Mongu... Vous nous dites que le général Mongu a dit qu'il fallait que l'on diligente une enquête. À qui est-ce qu'il a demandé cela? À qui est-ce qu'il a demandé de diligenter une enquête? Mais l'état-major a des structures. Au niveau de l'état-major, il y a une cellule de renseignement. Une cellule de renseignement. Et nous qui coordonnions les actions, nous aussi, à partir de nos éléments qui sont sur le terrain, nous leur posons des questions quand il y a un événement. Et c'est comme ça, nous arrivons à avoir nos renseignements, nos informations. I'm not clear what your answer is to my question. Je ne suis pas certaine d'avoir compris votre réponse à ma question. À qui M. Mongu a-t-il demandé de mener une enquête? J'ai répondu à votre question et je reprends. Je dis quand il y a un événement sur le terrain, l'état-major des armées a un service de renseignement. Ce sont eux qui mènent les enquêtes, ce sont eux qui mènent les renseignements, ils cherchent les renseignements et ils nous donnent le résultat. Mais nous-mêmes, à partir de nos éléments, nous pouvons avoir des informations quand nous leur posons des questions sur tel événement, puisqu'ils sont au quotidien sur le terrain, ils vivent les situations sur le terrain. C'est comme ça que nous nous renseignons. Et il faut dire qu'on avait des éléments également, c'était la guerre, on avait des éléments invités qui étaient sur le terrain en tenue civile,
qui nous donnait également aussi des renseignements. Did Mr. Mongu ask you? Monsieur Mongu, vous a-t-il demandé à vous d'enquêter sur cet incident? À moi particulièrement, non. Quand il demande de lui apporter des informations sur le terrain, il le dit, mais je me sens concerné également, puisque je coordonne, je fais la coordination, donc moi, je ne reste pas inactif. J'essaie de me renseigner à partir avec mes éléments qui sont sur le terrain. Mais dans mes investigations, personne ne m'a dit qu'il a été sur le terrain. Je lui ai rapporté. Just to be clear. Pour être sûr d'avoir bien compris, dans le cadre de vos enquêtes, de quelle enquête parlez-vous? Quelle enquête est-ce que vous avez faite? Ben, c'est ce que je suis en train de vous dire. Les enquêtes de l'armée, ce n'est pas un individu qui mène les enquêtes. L'armée est structurée, l'armée a des cellules de commandement. Donc, l'état-major, particulièrement, a une cellule de renseignement. Donc, quand nous avons des événements sur le terrain, si le chef d'état-major veut mener une enquête, c'est des informations, en fait, c'est du renseignement, en fait. Mais sinon, mener une enquête comme ça, à le dire, nous ne pouvons pas le faire, c'est des renseignements. Que le service de renseignement nous amène du terrain. Ce jour-là, il a été dit que des femmes seraient tuées à Abobo. Donc, quand le général demande qu'on mène une enquête, c'est pour envoyer ces éléments de renseignement sur le terrain pour savoir ce qui s'est passé exactement sur le terrain. Parce que personne d'autre que ne peut amener des enquêtes. En plus de cela, ceux qui ont vécu la situation, nous leur posons des questions pour savoir est-ce que la version qu'ils nous ont donnée est vraie ou pas. Voilà comment nous menons nos enquêtes. C'est des renseignements au fait que nous prenons. Okay, I ask again in relation to this. Madame Pack, en ce qui concerne cette réunion, est-ce que Mangou a demandé à qui que ce soit de faire une enquête lors de cette réunion, à tous les généraux? Est-ce qu'il a demandé à quelqu'un de faire une enquête? Le juge président, excusez-moi, je souhaite bien comprendre les choses. Vous avez dit que Mangou, Monsieur Mangou, a dit que cet incident devait faire l'objet d'une enquête. La question est de savoir, a-t-il demandé à qui que ce soit de conduire une enquête? Ou alors est-ce que c'était juste des discussions sans conséquences? Il a exprimé le fait qu'il va mener une enquête, mais il ne s'est pas adressé à quelqu'un. Vous savez, à la réunion, à cette réunion, c'était une réunion d'échange. Nous échangeons. Nous faisons le point, on en tire, on en fait une analyse et on détermine les manœuvres futures. Je l'ai dit hier. Mais quand il dit de mener une enquête, il ne s'adresse pas à quelqu'un. Il ne s'est pas adressé à moi. Alors, général Détho, faites mener une enquête. Parce que le général sait bien que ce n'est pas moi qui mène les enquêtes. Quand il y a une nation sur le terrain, ce n'est pas moi qui mène les enquêtes. C'est pourquoi nous saluons la mixité des forces. La gendarmerie est là, la police est là, et les forces de défense et sécurité, eux, ils manœuvrent. Mais on a mis les policiers, les gendarmes dedans pour mener une enquête s'il y avait un quelconque événement. Donc, il ne s'est pas adressé à moi particulièrement pour dire « Général Détho, menez-moi une enquête. » Il sait très bien que je ne saurais le faire parce que je n'ai aucun moyen si ce n'est pas de m'informer à partir de nos éléments qui sont sur le terrain. Ce que je peux faire comme information, c'est ça, comme mener comme enquête, c'est de demander à mes éléments qui sont sur le terrain
Qu'est-ce qui s'est passé? En dehors de ça, je ne gère aucune structure de renseignement. Donc, il ne m'a pas demandé expressément de mener une enquête. Et ça, vous pouvez le vérifier au niveau de tous les autres généraux. Madame Pack, pour autant que vous le sachiez, est-ce qu'une enquête officielle relative à cet incident a eu lieu? Je ne sais pas. We're going to move on to the... Question. Nous allons passer maintenant au 17 mars 2011 à Abobo. Est-ce que rapport vous a été fait d'incidents qui auraient eu lieu le 17 mars? Ça concerne quel événement? Parce que le 17 mars, il y a eu beaucoup de choses le 17 mars. C'était une journée comme toute autre journée, il y a eu beaucoup d'événements le 17 mars, mais je ne sais pas de quel événement s'agit-il. Did you receive information? Question, avez-vous reçu des informations selon lesquelles il y aurait eu des tirs d'obus le 17 mars 2011 à Abobo? Concernant le tir de mortier à Abobo, il s'agit de tirs de mortier sur le marché d'Abobo. Est-ce que vous voulez parler de ce tir de mortier sur le marché d'Abobo? Je vais vous répondre. Yes, please. When did you... Question. Oui. Quand avez-vous entendu parler pour la première fois des tirs de mortier sur le marché d'Abobo? La veille, c'est-à-dire qu'au soir du 16 mars, aux environs de 23 heures, j'ai reçu un coup de fil d'un portable, mais avec le numéro inconnu. C'est un particulier qui m'a appelé, mais son numéro ne sortait pas. Il m'a dit, est-ce que j'entendais des coups de feu? Parce que moi, je ne suis pas loin d'Abobo. Je suis sorti sur la terrasse et effectivement, j'entendais des coups de feu. Quand il y a une situation comme ça, la première chose à faire, je me réfère au chef d'état-major des armées. J'ai appelé le général Mangou et je lui ai dit que j'entends des coups de feu à Abobo. C'était la nuit du 16, la nuit du 16 au 17. Est-ce qu'il est au courant de cela? Parce que bien avant cela, j'appelle rapidement les éléments qui sont sur le terrain. J'ai appelé ceux qui étaient à Samanké. Ils m'ont dit que ils n'entendaient rien. Au rond-point d'Abobo, ils m'ont dit qu'ils n'entendaient rien. Ceux qui étaient dans le camp même, commando, ils m'ont dit qu'ils n'entendaient pas de coups de feu. Et j'ai rapporté cela au général. Quand je lui ai posé la question, il m'a dit ce jour-là, c'était la nuit du 16 au 17, que on lui avait rapporté cela et qu'il a appelé, il aurait appelé le commandant Abéi. Et que le commandant Abéi lui aurait dit qu'il allait à Abobo pour nettoyer à Abobo. Mais le général Mangou lui a dit, s'il n'est pas encore déjà arrivé à Abobo, de faire demi-tour. Mais pour confirmer cela encore, je me suis adressé aux éléments qui étaient à l'université Nangui-Abrogoa d'Adjamé. Parce qu'eux, ils pouvaient voir
des colonnes de véhicules allaient de la chaîne Cache à Bobo. Eux, ils m'ont dit qu'ils auraient vu le commandant Abbey avec leur véhicule de Jeb aller en direction d'Abobo. Voilà ce que je sais de cela, du bombardement du marché d'Abobo. Mais le lendemain, comme tout le monde, nous avons appris que le marché d'Abobo a été bombardé. Voilà. C'est ce que je sais de ce dossier. How did you learn that the market... Question. Comment avez-vous appris que le marché avait été bombardé, comme vous l'avez dit? Qui vous l'a appris? Mais quand il y a un événement comme ça, ça sort dans la presse écrite. Ou quand ils ont les images, ça sort à la télévision également. Mais c'est à la presse écrite que ça a été dit que le marché d'Abobo a été bombardé. Did you discuss the shelling? Question. Avez-vous discuté de ces tirs de mortier dans votre réunion avec le général? Tirs de mortier donc qui ont visé le marché? Comme d'habitude, quand il y a un événement d'importance capitale, nous en discutons. Et toujours, quand nous savons que nous renseignons auprès de nos hommes, s'ils nous disent qu'ils ne sont pas impliqués, nous en tenons compte. Sinon, on en a discuté. Parce qu'il faut dire que quand il y a un événement quelque part et que nous sommes au courant, nous en discutons. On a discuté. Question. Connaissez-vous ou savez-vous que selon les éléments de preuve au dossier de cette affaire, des mortiers ont été tirés à partir du camp commando le 17 mars? Est-ce que vous avez connaissance de ces éléments de preuve? Le juge président, il me semble également qu'il s'agit... Oui. Bien. Pourriez-vous reformuler cette question, Madame Pak, je vous prie? Parce que demander, savez-vous, connaissez-vous les éléments de preuve, ça ne va pas. Madame Pak, un instant, le juge président, monsieur le témoin, lorsque vous nous dites que vous saviez que le marché avait été bombardé, comment est-ce qu'il a été bombardé, avec quelles armes, qui a tiré? D'où provenaient les obus et qu'avez-vous appris à propos de ces tirs de mortier? Qu'avez-vous appris également juste après ou juste avant cet événement? Merci, Monsieur le Président. Quand il s'agit du bombardement du marché d'Abobo, nous avons appris, dans un premier temps, que le marché a été bombardé, et que ce seraient nos hommes qui seraient mis en cause. Les journaux l'ont relayé, tout le monde en parlait, mais ce que je puisse dire au plan technique sur cet événement, je le dis avec réserve, parce que je n'ai pas été sur le terrain, mais je vous dis que si des mortiers de 60 mm devaient être tirés à partir du camp commando, ça n'allait pas atteindre son objectif. Parce que la distance qui sépare le camp commando du marché est au-delà de la portée du mortier. Vu la configuration du terrain, les immeubles en face, Quand je revois le terrain, je ne sais pas où nos éléments qui étaient à Bobo se seraient mis
sur quel terrain, sur quelle configuration du terrain serait mis pour effectuer des tirs à bobo. Les immeubles allaient empêcher que les obus partent au-delà de cela. Deux, il n'était même pas possible en ce moment que des tirs soient partis du camp commando. En ce moment précis, je le répète, j'insiste là-dessus, nos éléments cherchaient à se sécuriser plutôt que de mener une action quelconque. Si vous connaissez le mortier de 60 mm, je ne sais pas combien de tirs ont été effectués en ce lieu-là, mais un mortier de 60 mm qui tombe dans un marché, il va y avoir effectivement des trous, des marques. Le marché d'Abobo, moi je n'étais pas sur le terrain, mais après la crise, le marché d'Abobo est resté là. On ne m'a jamais dit où effectivement les tirs ont été menés. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Donc, voilà ce que je savais, qu'il y a eu des tirs sur le marché d'Abobo, que ce seraient nos hommes. Mais après mon analyse, je ne sais pas d'où les coups seraient partis. Parce que techniquement, c'était difficile pour eux. Et comme ils ne pouvaient pas sortir du camp, je ne sais pas où ils se seraient mis pour effectuer des tirs sur le marché d'Abobo. Techniquement, ce n'est pas possible. Question. De quelles armes disposait le Baza au camp commando? Quel armement utilisait-il à cette époque-là? Le Baza avait le canon de 82 mm. Et ils avaient les 60 mm également. What about the 120 mm? Question, et qu'en est-il du 120 mm? Non, le mortier de 120 mm a été réintégré très longtemps. Après les tirs de flambage que nous avons menés au niveau de 60 mm dans la forêt d'Abobo, le général a demandé qu'on réintègre les 120 mm. Donc le canon de 120 mm qui était sur le terrain, parce qu'il pèse et c'était difficile de l'utiliser, on ne pouvait pas l'utiliser. Imaginez-vous, madame, un canon de 120 mm utilisé ici, ce n'est pas possible. Ils avaient les 60 mm, les canons de 120 mm sur véhicule et le mortier de 82 mm. Did the Baza deploy to Camp Commando? Question. Est-ce que le Baza a été déployé au Camp Commando à quelque moment que ce soit avec le canon de 120 mm? Nous avons voulu regrouper, donner une certaine force, une puissance de feu à nos éléments. Donc, quand nous avons réorganisé le dispositif, il a été demandé que le Baza soit au camp commando. Le Baza est parti avec le mortier, dans un premier temps, le mortier de 120 mm qu'on a retiré. Le Baza est resté avec le mortier de 60 mm, avec un véhicule sur Velera de 120 mm, pardon, de 20 mm. Le canon de 20 mm. C'est ce qu'ils avaient comme armement au niveau du camp commando. Mais le canon de 120 mm, sur la demande du général Mangou, a été réintégré en caserne. I'd like to take you to... Question. Je vais faire référence à votre déclaration qui se trouve en page 1585 du document 00951575
à partir de la ligne 350. Nous allons vous afficher cela à l'écran, monsieur le témoin. Veuillez patienter un instant, je vous prie. S'il vous plaît, pouvez-vous répéter les références? Yes, it's paid. Question, page 1595, à ligne 350, 85, 1585, ligne 350 à 356. Réponse 0080. 15-75, page 1585. Pour la référence du document. Je ne suis pas loin de ce que j'ai dit. All right, I'm going to start. Madame Pack, je vais donner lecture à partir de la ligne 350. La personne qui vous interroge dit la chose suivante. Le calibre de Mottier qui se trouvait au camp commando et qui était là en permanence, personne entendu. Il y avait les 87 mm. Que le Baza envoyait, non, le 120 mortier, les mortiers de 120 mm, interview 2, oui. Personne entendu. Ils avaient leur 60 mm, interview 2, oui. Over the page, please. Veuillez tourner la page, je vous prie. Ils avaient leur 12.7 qui était sur le véhicule, interview de d'accord, personne entendu, et puis bien sûr les armes d'assaut, interview de OK, personne entendu, 12.7 pour les servants, interview de, vous dites juste que c'était à un moment particulier qu'il y avait eu de 82 mm, personne entendu, oui, oui. Interview 2, OK, d'accord, merci. Passons entendu, cette période, ils ont envoyé les 82 mm, interview 2, mais de façon certaine, personne entendu, oui. Interview 2, il y avait en permanence du 120 et du 60. Personne entendu, oui, oui, oui. Interview 2, ça va? Personne entendu, oui. Interview 1, d'accord, je voulais clarifier, voilà. Personne entendu, oui. You were called saying that. Question. Est-ce que vous vous rappelez avoir prononcé ces propos lors de l'entretien? Oui. Are they true? Question. Est-ce que cela correspond à la vérité? Non, parce que j'avais omis de vous dire que le canon de 120 mm. A été réintégré. Sinon, les autres armes étaient là, pas de 87 mm, mais c'est les 82 mm tout au. Les canons de 82 mm, la 12-7 était sur un véhicule, les mortiers de 60 mm sont restés. Mais le canon de 120 mm a été réintégré en caserne. Non, je reconnais avoir dit cela. I'm going to ask if we can go.
Question. Je souhaiterais passer brièvement à huis clos partiel pour des raisons liées à la règle 74, Monsieur le Président. Je pense que cela est préférable. Le juge président, passons à huis clos partiel, je vous prie. D'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le juge président, merci. Nous sommes de retour en audience publique. Je vais vous annoncer que nous allons nous interrompre maintenant et nous reprendrons à 11h30. Monsieur le témoin, donc nous allons prendre une pause et nous reprendrons à 11h pour la suite de l'interrogatoire du bureau du procureur.